tout le monde, c'est Kalizorix TV, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur la chaîne sur The Squarry pour la suite du Let's Play, et surtout les amis pour la suite de l'histoire. Alors ancien épisode, ça s'est plutôt bien passé, mais ça a été tendu, hein. Clairement les amis, ça a été vraiment un épisode incroyable, il s'est passé beaucoup de choses, mais c'est pas fini, les amis, c'est pas fini. Loin de là, j'ai envie de vous dire, il y a encore du chemin, et c'est ça qui est cool. Encore une fois, je sais pas du tout les amis qu'est-ce qui nous attend dans cet épisode comme à chaque épisode, mais j'ai l'impression plus qu'on avance dans le mode histoire, plus qu'il y a plus d'action, plus que les prises de choix, j'ai envie de dire, et les prises de décision, faut pas faire du n'importe quoi parce qu'on peut perdre vraiment des vies bêtement déjà et surtout très vite. Donc il va falloir vraiment faire très attention à ça les amis, mais sinon... Je suis assez content, chaque épisode quand même ça se passe plutôt pas mal. Et franchement les amis, j'adore ce jeu. Honnêtement j'adore ce jeu. C'est vrai que je le dis très souvent, je me répète beaucoup avec ça. Mais c'est clair que voilà, c'est vraiment un jeu voilà, qui me tenait à cœur et j'avais vraiment envie voilà, de vous le faire partager sur la chaîne. C'est pour ça que les amis, le let's play continue. C'est pour ça que je vous dis à chaque fin de épisode, activez la cloche les amis, c'est très important. Comme ça vous avez la notification et vous saurez quand je sors une vidéo, tout simplement. Les amis, on est parti. Solo. Chapitre 7. Let's go. Petite cinématique, hein, comme à chaque chapitre. On est parti. Alors, pourquoi vous êtes pas venu? Vous étiez où pendant ces 2 mois? On est arrivé un jour plus tôt. C'était pas une bonne idée. Fille, on va passer un mauvais moment. Putain de merde. Waouh. L'épisode commence déjà très fort, les amis. Waouh. Rappelez-vous, les amis, le flic dans le premier épisode. J'adore ce jeu. Qu'est-ce que vous avez fait à Max? La ferme. Vous pouvez pas... La ferme! Je vais poser des questions. Et vous, vous répondrez. Non. Laura Kearney. Avec qui vous êtes et quel est son lien avec vous? Max Brinley, c'est mon copain. Où alliez-vous hier soir? À la colo de Hackett Squarry, vous le savez déjà. Qu'est-ce que vous avez fait à Max? Non. Je pose les questions, vous répondez. Et c'est comme ça que ça marche.
Eva. Pourquoi vous alliez à quelle Quarry? Max et moi, on est moniteurs. Non, arrêtez. Les moniteurs arrivent qu'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on est arrivés en avance, on s'est dit qu'on irait voir le camp. Pourquoi ne pas aller au motel, comme je vous l'ai dit? Mais parce qu'on était beaucoup plus près du camp et fauchés. Ok, shérif. Hackett. Hackett comme... Chris Hackett? Ne change pas de sujet. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Tu n'imagines même pas. Vous vous êtes fourré dans un gigantesque merdier nucléaire de catégorie A, jeune fille. Et la seule option, c'est de la boucler et de faire ce que je dis. Est-ce que c'est clair? M'intimider et dites-moi plutôt ce qui se passe. Est-ce que Max est vivant? J'ai l'impression de devenir dingue. Quoi? Max, est-ce que ça va? Tu te fous de ma gueule? Tu voulais me laisser crever, Laura. Qu'est-ce que ça te fout si je vais bien, hein? Pauvre con, j'avais peur. J'ai couru pour chercher de l'aide. Ouais, bah bien joué. Bah, on est vivant au moins. En tout cas, j'ai compris que je pouvais pas compter sur toi quand ça partait en couille. Ça, c'est dégueulasse. Ouais, bah tant pis. Laura? Ouais. Pourquoi je suis à poil? Quoi? Eh ben, on s'est fait attaquer. Et après, je me suis réveillé dans une cellule et sans toi. Et maintenant, t'es là et j'ai plus mes fringues et il y a du sang et des trucs partout. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? J'espérais un peu que tu pourrais me l'expliquer. Je crois que je me souviens de certains trucs, mais... ça n'a aucun sens. Ouais, pareil. Est-ce qu'on a... été drogués? Peut-être qu'on a été drogués? Par un flic? Ils ont le droit de faire ça? Il se prend pour qui, ce type? Le shérif de Northkill, apparemment. Northkill? Ouais. Max! Quoi? T'as regardé la carte, au moins? Hackett's Quarry, à Northkill, c'est la ville. Ah. Et c'est même pas le pire. J'ai jeté un coup d'œil à son badge et... Enfile ça. Il t'a donné quoi? Je serai pas la star de la prochaine Fashion Week, c'est moi qui te le dis. Hé! J'ai
J'ai dit que vous pouviez vous parler. Je savais pas qu'on avait besoin de votre permission, inspecteur tête de bite. Ouais, c'est un pays libre, officier, face de cul. Merde. Ok, grand. Présente-moi tes mains. Allez! À toi. On y va. J'irai nulle part, on peut faire ça là. Dépêche. Hé! Hé! On ne touche pas! Allez! Bouge! Arrête de gigoter. Hé, ne touchez pas. Pas de touche, connard. Fermez-la, tous les deux. Je t'emmerde. J'ai dit la ferme. Hé, hey, vous avez pas le droit de faire ça. Vous lui faites du mal. Oh oh, les amis, l'épisode commence déjà très fort. Rappelez-vous de Max, les amis. Et oui, il s'est fait attaquer dans le premier épisode. Et on a pris la décision, voilà, de l'abandonner. Bah là, du coup, on a demandé à Max s'il va bien. Évidemment, il est vraiment en colère contre nous. C'est total. C'est normal. Voilà, j'ai envie de dire. C'est totalement normal. Voilà, c'est. Mais ça va. Il est en colère, mais à la fois, ça va. C'est quoi cet épisode ? Tandis que la ville de Norskill s'endort, la folle dans les bois pleure un mort. Lorsque pourrissent les corps, le loup affamé sort, et l'implacable shérif rôde encore. Quel épisode, les amis ! Quel épisode ! Ça commence vraiment très fort. Je pensais pas, tu vois, qu'on allait revoir Max et tout ça. Et ça fait vraiment plaisir, en tout cas, les amis. Une cuillère. Ok. C'est quoi ? Non, c'est mort. J'ai besoin d'une sorte de levier. La cuillère, peut-être ? Peut-être ? Et attention, quoique. Moi, je pense que c'est la cuillère. Alors on va faire demi-tour, voir quand même, ça pas des petites choses. Ouh. Attendez. Il y avait une carte là. Alors on va repasser par là et on va revenir voir si ça me l'affiche. Ouais. Ah mais je peux... Ah si, voilà. Carte de tarot trouvée. C'est pas une mauvaise chose, ça c'est cool. À mon avis c'est la cuillère. Et bingo. Oh, ouais, ça devrait marcher. Ah, oh, yes. Thank you.
gaffe, je marque facilement. Arrête ton cirque. Dès qu'on sort d'ici, vous êtes mort, sale connard. Oui. Dès que vous sortez. C'était censé vouloir dire quoi ? T'es censé vouloir dire quoi, connard ? Hé, hey, vous pouvez pas nous laisser là ! Hé ! Revenez ! Comment ça s'est passé? Est-ce que t'as tout déballé comme une poucave? J'avais rien à avouer. Non, je suis sûre que t'as beaucoup de choses à cacher. D'accord, peut-être, mais je crois pas que ça l'intéresse de savoir que j'ai copié sur Mickey Washington en contrôle de chimie. Plus sérieusement, ça a été? Il m'a posé des tas de questions débiles. Ouais, j'en sais rien. Tu me lâches un peu. C'est bon, calme-toi. Oh, et est-ce que t'as jeté un coup d'œil à son badge ? C'est pas vraiment l'inspecteur tête de bite ? C'est Hackett. Shérif Hackett. Tu crois que c'est la famille de Chris Hackett ? J'hallucine, c'est le Chris Hackett ? Ouais ! C'est qui, Chris Hackett ? Eh ben, le directeur du camp, Monsieur Hackett, de Hackett Quarry, tu te souviens ? Putain, hier soir, ça me paraît tellement loin. Mais ça veut dire quoi ? Tu crois ? C'était un piège ? C'est peut-être une sorte de réseau d'enlèvement de, je sais pas, moniteur de colo. C'est... Attends. Quoi ? Comme un genre de trafic, un piège, je sais pas. Chris Hackett et le shérif Hackett, ça peut pas être une coïncidence. Ok. Il y a forcément un lien. Mais qu'est-ce que ça prouve ? Il savait qu'on arrivait. C'est peut-être une espèce de kidnapping, de rançon, ou de complot. Ça paraît un peu gros. J'essaie simplement de nous sortir d'ici, et j'y arriverai pas tant que j'aurai pas compris pourquoi on est dans cette merde. Je sais pas, et s'il y avait aucune raison ? Quoi ? Mais c'est obligé. Mais il y a des choses qui s'expliquent pas. Et donc ? On va rester en tôle ici jusqu'à la fin de nos vies, c'est ça ? Stop ! Arrête, positive ! Facile à dire pour toi. Pardon ? Tu peux pas simplement accepter. Parfois, c'est juste la merde. C'est pas toujours une question d'obstacle à surmonter. Justement, si, c'est ça. On va sortir d'ici. Je vais faire mes études de veto et toi... Tu vas... Quoi ? Je vais faire quoi ? J'ai vu ton courrier, Max. De quoi tu parles ? J'ai trouvé la lettre de refus de la fac. Elle était dans ton sac. T'as fouillé dans mes affaires ? J'y crois pas que tu m'aies rien dit. J'avais honte. Mais...
tes notes étaient bonnes et ta disserte était super bien. Ouais, mais pas assez apparemment. Mais merde! On avait nos plans, Max, ça fait chier! Je sais bien, tu veux que je te dise quoi? Désolé, Max, c'est vraiment naze. Eh, c'est pas le pire qu'on ait connu cet été. Désolé. J'aurais dû t'en parler avant. Tu sais que tu peux vraiment tout me dire, hein? Ouais. Ouais, je sais. C'est bon, on va plutôt essayer de se tirer d'ici, déjà. Cool, quand tu veux. Il faut qu'on reprenne tout depuis le début. Quoi, quand on est parti? Non, quand on est tombé sur le flic. Donc après avoir vu ce... ce truc qu'on a croisé. Ouais, exactement. Ouais, c'est là que tout a commencé à déconner. Il a eu une réaction trop chelou quand on lui a parlé de l'animal, tu te rappelles? Comme s'il savait quelque chose. Ouais. Ouais, c'était hyper bizarre. Et si c'était même pas un flic? Bah, il est sûrement pourri, mais... Mais je dirais quand même que c'est un flic. On est dans un commissariat. D'accord, ouais, mais quand même. Y a personne ici, donc... Ouais, ça c'est pas rassurant. Surtout avec l'histoire du nom Hackett. Je reste d'avis qu'ils sont tous les deux dans le coup. Ok. Donc on a rendez-vous avec Chris Hackett au camp, mais sur place, y a personne et on se fait attaquer par... un truc. Et là, le flic se pointe. Cette partie est floue pour moi. Je me souviens des marches et une odeur de chien mouillé et un collier de chien avec écrit Yann dessus. Yann ? Yann. Je crois pas qu'on ait été attaqué par un chien. Ce truc était plus grand, comme une personne. Ouais, il s'est bien acharné sur toi. Je suis surprise que t'aies rien de plus grave. Je me souviens clairement avoir vu ses dents se planter dans ta peau. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est... Laura, j'ai pas une égratignure. Quoi? Eh, hey, ok, question bizarre. Tu te souviens... Avant qu'on se perde... Que tu te perdes. Ouais, non, d'accord, mais avant ça, je te disais... Waouh, regarde la lune. Elle est grosse, c'est trop cool de voir la pleine lune au milieu de la forêt. Et toi, t'étais là, ouais, tu sais, Max, ça arrive tous les mois. Ouais, et... Ouais, bah... Tu sais... La pleine lune. Ouais. Et si... Ok. Non. Stop. Je dis ça comme ça. Tu sais, peut-être c'était une sorte de... De loup-garou. Non, mais tu t'en... Vous parlez sérieux? Un loup-garou? Sérieusement? N'importe quoi. Quoi? Bah quoi? Pourquoi tu ris? Parce que j'ai dit exactement la même chose. Ok. Et donc, vous avez rien trouvé de mieux? Zombie? Alien? Un vampire temporel? Ryan, c'est ça? Ouais. Tu veux des réponses? J'ai des réponses. Coupe-moi encore une fois, je laisse tomber. C'est bon. Et si c'était pas si fou que ça? Avec tous ces trucs qui sont arrivés à Nick, et cette chose sur le toit... Ok, en fait, ça pourrait même expliquer pas mal de choses. Dylan. Ça va, j'essaie juste de garder l'esprit ouvert. Regarde un peu tes histoires de fantômes, c'est pas si différent de ce qu'elles racontent. C'est juste des histoires, mais il y a forcément une explication rationnelle pour tous ces trucs, ce qui nous arrive. Attends, t'étais... nettement moins rationnel quand t'as décidé de séparer ma main du reste de mon corps. C'est toi qui me l'as demandé. Et si morsure vous subissez, d'amputer, il faut vous presser. Quoi? T'as fait ce qu'il fallait. Tu vois? Elle a même un poème dessus.
va plus loin que ce que vous pensez. Laissez-moi terminer. Après, je vous laisse décider si vous me croyez ou pas. Je m'en fous. Mais vous devriez m'écouter. Les semaines suivantes ont été longues. Le flic nous filait à bouffer et nous faisait prendre des douches, mais à part ça, on voyait à peine. Max et moi, on a beaucoup parlé. On se remémorait tout ce qui s'était passé cette nuit-là. On échangeait les théories les plus folles. On a parlé du flic, du camp, de l'accident, des bois, du truc dans le sous-sol. Ce qu'avait vécu Max, on ressassait tout ça en boucle, encore et encore. Et rien de tout ça n'avait de sens. Mais on savait qu'il fallait qu'on se tire de là. Je supporte plus cette merde. C'est pas si mal. Il bouffe sûrement pareil au camp, tu sais. Non, je peux plus supporter d'être enfermé ici. Ah. Ouais, là, je suis d'accord. Il faut qu'on tente un truc, il faut qu'on se tire d'ici. Il nous faut un plan. Arrête pas de dire ça. Mais ça dure, donc... Fais-moi signe si t'en trouves un. C'est pas comme ça que tu vas m'aider, Max. Y a un détail que t'oublies. Quoi? Juste un tout petit... Petit détail, je peux potentiellement être un putain de loup-garou, Laura. Chut, pas si fort. Alors quoi, qu'est-ce qu'on peut faire? S'enfuir vers le soleil couchant jusqu'à ce que je me transforme en horrible monstre et que je te tue et te bouffe avant de me remettre à courir seul vers le soleil avec des bouts de toit dans les dents, hein? Ok, stop. Un seul problème à la fois. C'est vrai, on sait pas si c'est vraiment ce qui se passe et on le saura jamais si on reste ici. Ok. Bon, d'après moi, on a seulement deux vraies options. On la joue fine et on essaie de l'amadouer. Pour qu'il nous laisse partir? Ou... On tente de le surprendre et on prend la fuite. Ok, bon, mettons qu'on arrive à sympathiser. Et après, on brunch ensemble tous les dimanches jusqu'à ce qu'il admette enfin qu'il s'est planté? Non, je disais ça comme ça. Ce mec n'a rien de sympathique. Une fois sur deux, il nous parle même pas. Je sais pas, je pense qu'on peut l'avoir. Laura, il essaie de gagner du temps jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de se débarrasser de nous. Pour de bon. T'as raison. Il faut qu'on s'échappe. De toute façon, qu'est-ce qui pourra nous faire de pire s'il nous rattrape? On va... juste éviter ça, ok? Ouais. Ok. Ok. Voilà ce qu'on va faire. La prochaine fois qu'il ouvre ta cellule pour t'emmener te laver, tu l'attaques. Tu le plaques au sol et... Et tu prends les clés à sa ceinture. Tu le traînes dans ta cellule, tu l'enfermes et tu m'ouvres. Là, on lui pique sa bagnole et on se tire vite fait d'ici. Ouais, mais c'est pas vraiment un plan, pas vrai? C'est juste une autre façon de dire on s'évade avec plus de mots. Non, ici attendra pas. On est dans une routine, on va pouvoir le surprendre. Sérieux? Oh. Je rêve. Oh. Petit génie. Mais j'ai pas pris ma douche. Merde.
ces putains de fringues. Je t'emmerde. Recule. Max, qu'est-ce qui se passe? Je vous interdis de le toucher. Viens là. Ne me touchez pas. Assieds-toi. Arrête de bouger. T'as dit que tu voulais être veto? Alors voilà ton stage. Connard! Tu voudras pas le croire, si tu le vois pas par toi-même. Ouais, et ben, demandez la prochaine fois, putain! Merde! Approche pas trop. Dis, réponds. Donne ta position. À toi. Merde. Je dois terminer un truc ici. J'arrive bientôt. Terminé. Qu'est-ce qui va se passer? Bon. Entre nous, ça va pas être joli. Mais t'en fais pas. Je serai de retour à l'aube. Vous allez vraiment me laisser ici? Ça ira. Mais t'approches pas trop. Max, dis-moi exactement comment tu te sens. Laura, je me sens pas très bien. Pas bien, comment? Je sais pas, j'ai... mal. Approche, fais-moi voir tes yeux. Vaudrait mieux que je bouge pas. Max, il faut que je t'ausculte. C'est assez près pour toi, là, connard! Max, explique-moi ce qui se passe. Dimension. Voyons ce que ce connard de flic nous cache. Waouh, waouh, waouh. Les amis, j'étais pas prêt à vrai dire à tout ça.
C'est quoi cet épisode? Oh oh oh. Ah ouais, quand même. Mais ce jeu est trop bon, les amis. Trop bon. Waouh. On va partir. Non mais j'ai compris Max. Bonne nuit Max. Je reviendrai plus jamais te voir. Bon du coup voilà. Il s'est passé un petit accident. Voilà. Tout petit. Du coup les amis, on va avancer. Mais c'est quoi cet épisode de fou furieux les amis? Ouais, vous me connaissez, hein. Moi j'aime bien fouiller. C'est important quand même. Quand je vous dis que ce jeu, les amis, il est incroyable. C'est vraiment qu'il est incroyable, quoi. C'est. L'histoire, comment elle est. Elle est dingue. Franchement, les amis, elle est dingue. Ok, carte de tarot. Oh, on en a trouvé deux, les amis. Ça, c'est cool. Ok, il y a un étage. Il y a la porte en bas, il y a l'étage. Allez, on va... On va... Waouh, est-ce que vous avez entendu, les amis? Oh, merde. Va falloir que je me repose. Ah, je sais pas où aller. En bas, en haut. Ok, on va visiter. Ah ouais, d'accord, il y a plusieurs portes. Waouh. Ok. Ça doit être avec ça qui m'a endormi. Je la cacherai dans ma cellule. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise idée, à vrai dire. Et en plus, les amis, ce qui est vraiment génial, c'est que ce jeu, c'est vraiment une découverte pour moi. Donc, autant vous dire que c'est vraiment du kiff. Parce que vraiment, à chaque épisode, eh ben, je sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer et tout. Et c'est vraiment génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, un badge. Celui qui portait ça doit pas être en forme. Un signe de shérif brûlé. Indice. Façon les amis, on va fouiller vraiment toutes les pièces. C'est important. Je dois m'allonger. J'ai vu un A. Ouais, voilà. On va quand même fouiller. C'est important. Oh, je vois déjà qu'il y a une photo ici. Ouais, voilà. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Intéressant, très intéressant. Ok, bon ça c'est cool, hein. On a vraiment fouillé toutes les pièces, donc c'est pas une mauvaise chose, c'est vraiment cool. Du coup, bah, on va prendre la porte qui est en bas et on va voir ce qui s'y cache. Fermé.
Je peux pas laisser Max. Je ferais mieux de fouiller. Ou de retourner attendre dans ma cellule, sinon... Ouh, la petite musique et tout, les amis. Waouh, l'ambiance est incroyable. Par contre, elle a vraiment dit qu'il faut attendre Max. Max, il t'a arraché un œil et tu vas attendre Max. D'accord. Bon, j'ai envie de te dire, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, c'est ton choix, ma grande. Bon, bah écoutez, on va retourner dans la cellule. J'ai un peu peur, je vais pas vous le cacher. Alors, continue à chercher, allez dormir. Bon bah écoutez les amis, on va dormir. Hein. Et on va voir. Hein. J'espère qu'on a bien fait de faire ça. Espérons les amis, espérons. Tu vas me dire ce qui s'est passé? Je peux vous retourner la question? Pourquoi pas fuir? Je laisserai pas Max. Je te fais pas confiance pour autant. Je m'en fous. Je veux juste l'aider. Tourne-toi les mains contre le mur. Sérieusement? Je suis trop crevé pour me battre. Mais... Moi aussi. Je vais faire du café. C'est quoi ? C'est éducatif. Tu l'as bien nettoyé. Ton œil, je veux dire. C'est plus dur qu'ils le disent dans les manuels. Surtout quand il n'y a personne pour nous aider. C'est toi le docteur? Pour les animaux, et non. En fait, je le serai sans doute même jamais. On est coincé là pour toujours. Parfois, on pense savoir, sans vraiment savoir. Tu me suis? Non. Je suis pas... Il faut pas se fier aux apparences. Il va falloir être un peu plus précis. Max et toi, vous êtes tout autant dans la merde que je suis. Ma famille, on voulait pas faire de mal. On veut survivre comme n'importe qui d'autre, tu comprends? Pas vraiment. On va y
y mettre un terme une fois pour toutes. Ouais. D'accord. Ouais, finissons-en. Laissez-nous partir et on ira trouver de l'aide. J'avais une autre idée. Vous êtes vraiment en train de me demander de vous aider ? Je veux pas que tu m'aides, moi. Tu vas faire ça pour Max. Et moi, j'aurai ce que je veux. On va voir si t'es vraiment futé. Instructions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lis-le. Quand dans le ciel la lune est pleine, la bête terrée se fait souveraine. Les brebis errantes, elle saignera, mais les points d'eau, elle redoutera. Si ce dame en vous se révèle, à l'argent tué, l'originel. Quand le disque brille au firmament, auxire la source de vos tourments, conjurera votre infortune et le fléau de la pleine lune. Bien. Continue. Si morsure vous subissez, d'amputer il faut vous presser, pour une chance de sauver votre âme avant que ronge le mal infâme. Tu commences à voir l'idée ? C'est léger niveau info. Et franchement, c'est nul. Pourquoi ça doit rimer ? J'en sais rien. Mais c'est tout ce qu'on a sous la main. On tue le loup-garou qui nous a mordus et on guérit. Il faut de l'argent et une nuit de pleine lune. Je vois vraiment rien de bien compliqué. Si tu peux tuer la bête, et c'est pas gagné. Je veux juste sauver Max. C'est plus dur que tu pourrais le croire. Mais si Max m'a blessé à l'œil, est-ce que ça veut dire que je suis infectée aussi ? Non. Pas par les griffures. Faut être mordu. Est-ce que vous en êtes sûr ? A priori. Vous nous dites pas tout, là. Je vous dis ce que vous devez savoir. Je vous crois pas. Et si tuer n'est pas possible, s'il faut faire appel à la science ? La science ? Ben voyons ! Oh, génial ! Attendez, je vais mettre ma blouse de savant fou ! Je suis sérieux. Pourquoi tuer, ça serait pas possible ? Je crois que vous protégez quelqu'un. Écoute, prends le temps de réfléchir à tout ça. Je reviens demain matin. Convaincu ? J'aurais pas cru un mot de ce qu'il a dit si j'avais pas... Si j'avais pas vu ça.
moi je le crois. Tu vas pas me dire que tu lui fais confiance quand même? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je le croyais pour les loups-garous, pas pour la science. Je sais pas ce qu'il espère. C'est un pourri qui enlève des gens, Laura. On devrait se méfier de tout ce que dit ce connard. Bon. Qu'il crève. Il a eu sa chance d'arranger ça. On va sortir d'ici et régler ça nous-mêmes. Laura ? Ouais. J'ai vu ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait à ton œil. Ouais. C'est grave ? Ouais, plutôt grave. Je suis désolé. C'était pas toi. Je sais que c'était pas toi. Je sais. Mais quand même. On va te soigner, Max. Promis. Je te le promets. J'ai dit laisse-moi entrer. Je sais qu'ils sont là. Les moniteurs ne sont pas au camp. Ça vaut mieux. Il a dit que t'avais trouvé une voiture abandonnée. Il y a un moment, et j'en ai déduit le reste. Quoi ? À ton avis, Chris ? Dieu, Travis ! Ils sont encore là, mais tu débloques ! Mais tant d'abord tu as un Chris, qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? C'était quoi ? Tu m'as tiré dessus. Maman va te tuer. T'as eu de la chance que ce soit pas de l'argent. C'est quoi le plan ? Tu peux pas les garder comme ça. Je vais m'en occuper. Si t'avais fait ton boulot, ils se seraient peut-être pas retrouvés au camp. T'y penses à ça ? Si j'avais fait mon boulot, vous seriez tous en tôle. T'y penses à ça ? Ça, c'était Bobby et Caleb, et tu le sais. Les randonneurs et cette fouine de journalistes. Mortel, Travis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Non, je croyais qu'on devait tous se serrer les coudes. Max ! Hein ? Max ! Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Travis était dans le couloir à parler, le flic ! Et ? Avec Chris Hackett ! Il est venu nous faire sortir ? Non. C'est le loup-garou. Max, c'est Chris Hackett qui t'a mordu quand on était dans le sous-sol. Putain de merde, c'est... C'est pas possible ! En même temps... Quand on y pense, c'est logique. Ah bon, tu trouves ? Bah, tout concorde. La voiture de Chris était au chalet ce soir-là. Travis voulait le protéger. C'est pour ça qu'il nous a suivis et qu'il a pas tué le loup-garou dans le sous-sol. C'est parce que c'était son frère, putain, mais c'est ça ! Si c'est Chris qui m'a mordu, alors... Ouais, c'est notre remède. C'est comme ça qu'on te soigne. Putain, Laura, tu penses à la même chose ? Demain, on va sortir de là. Je vais prendre le flingue de Travis et tuer Chris Hackett. Hé ! À l'aide ! Laura se sent mal ! Laura ? Laura, tu vas bien ? Non, tu dis. C'est quoi ce bordel ? Laura !
presque à y croire. Je devrais peut-être envisager de faire du cinéma. J'irai pas jusque-là. On devrait filer tant qu'on peut. Nos affaires. On cherche des balles en argent. Il doit en avoir ici. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai cru entendre quelqu'un. Il est là. Oui, si, il y a quelqu'un. Ça vient de derrière la porte. Ici. C'est trop chelou. Il les fabrique. C'est quoi ? Des cartouches. Il les remplit d'argent. C'est bien ça qu'il faisait. Il chassait. Bon, du coup, j'ai plus besoin de ce truc-là. Je viens de me rendre compte. On est libre. Putain, enfin. On a perdu 2 mois de nos vies, mais déjà, on est un peu plus près de rentrer chez nous. Et c'est pour quand ? Ce soir. On va à Hackett's Quarry et on tue Chris Hackett. Arrivée là, au camp, j'ai déposé Max sur l'île. Je me suis dit que c'était le plus sûr, avec l'eau autour, tout ça. Voilà, c'est toute l'histoire. Surtout, parlez pas tous en même temps. Attends, l'île genre notre île à nous, tu veux dire l'île du lac ? Ouais, pourquoi ? Ben, Jacob, il est allé chercher Emma là-bas, mais il n'est pas encore revenu, et elle non plus. Oh merde. Eh ben, s'ils y étaient, ils y sont plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? M'oblige pas à te faire un dessin. J'en viens justement, et il n'y avait personne d'autre qu'un loup-garou. Oh merde. En tout cas, c'est la seule solution. Il faut que je tue Chris Hackett avant demain matin. Quand vous m'avez vu à la piscine après que j'ai tué Chris, je suis retournée sur l'île en pensant que Max serait redevenu normal. Mais...
Le loup-garou que j'ai tué, c'était pas Chris. C'était pas un loup-garou, c'était Kaylee Hackett, la fille de Chris. Quand j'ai tiré dessus, c'était pas elle. Peut-être, je sais pas, qu'elle est redevenue normale après, quand j'étais sur l'île. Mais attends, pourquoi Max t'a pas tué alors ? J'ai pu lui échapper. Il faut que j'en finisse. Il nous reste peu de temps. Lâchez-moi ! Lâchez-moi, putain, laissez-moi partir ! Ah ! Laissez-moi partir, ok ? C'est pas de ma faute, il s'est parti en couille ! Je vous en supplie ! Mais pourquoi vous dites rien, putain ? Est-ce que c'est de l'argent que vous voulez ? Hein ? Parce que mon père, il en a ! C'est un tas de fric ! Enfin, pas vraiment, mais il en trouvera ! Enfin, j'espère ! Pitié ! Laissez-moi partir, pitié ! Je suis tellement désolé ! Oh, putain de merde ! Et de deux, Bobby. Toujours ravi de vous voir. N'est-ce pas amusant de plonger dans le passé ? Ils sont horribles, pas vrai ? Penchons-nous sur ce que vous avez trouvé. Le chariot. Aux commandes d'un chariot, nous nous sentons tous en sécurité. Prendre le contrôle, se fier à notre détermination pour faire nos choix, c'est courageux. Et dans certains cas stupides. Nombreux sont ceux qui cherchent refuge dans un chariot. Mais parfois, sans qu'on sache pourquoi, ce n'est pas aussi sûr que ce que l'on pourrait croire. Ah, le monde! Bien souvent, le chemin des voyageurs est direct, mais parfois, ce n'est pas si simple. Parfois, il peut aussi en croiser d'autres. La compassion, pas la colère. Vous aurez besoin d'amis là où vous allez. Ce n'est que lorsqu'on tombe dans le ventre de la bête qu'on réalise le grand danger qui nous menace.
éternelle question qui revient. Me laisserez-vous vous en montrer plus? Le chariot ou le monde? Un seul futur peut être vu. Choisissez. Nous nous reverrons encore plusieurs fois avant que la nuit ne touche à sa fin. J'en suis ravie d'avance, tant que vous suivrez la bonne voie, bien sûr. Les amis, eh oui, le prochain chapitre, dans le prochain épisode. Mais en tout cas, les amis, mais c'était quoi cet épisode de folie? Honnêtement, il s'est passé tellement de choses. Ce jeu, les amis, est incroyable. Encore une fois, j'adore. Franchement, les amis, j'adore. Mais quel épisode? Honnêtement, quel épisode? Bon, encore une fois, les amis, c'est clair que ça n'a pas été un épisode où j'ai beaucoup parlé parce que voilà, il y avait beaucoup de cinématiques et j'avais vraiment pas envie voilà, de parler en même temps qu'il y avait les cinématiques. Voilà, c'est pas très cool aussi pour vous à regarder. Voilà, si moi je parle à chaque cinématique, c'est pas très cool. Donc c'est pour ça, dès le premier épisode, j'ai dit comme quoi voilà, à chaque cinématique, je parlerai pas beaucoup ou même pas du tout, au moins, voilà, et je parlerai à chaque fois quand il y aura du gameplay. C'est ce qu'on fait au final. Donc voilà, mais quel épisode, les amis, quel épisode. Je crois même que ça a été l'épisode le plus long, je pense. Je sais pas à combien de minutes on est. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on rec, mais en tout cas, je pense que ça a été l'épisode le plus long sur The Squarry. Mais en tout cas, les amis, qu'est-ce que j'ai adoré cet épisode. Je suis à fond, les amis. J'ai hâte au prochain épisode. Au prochain chapitre, franchement, les amis, ça promet. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire, ça promet, parce que l'aventure continue, les amis. L'aventure continue. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, écoutez, on va découvrir tout ça ensemble, mais dans le prochain épisode. C'est pour ça, si la vidéo, et bien sûr, si le let's play, ça vous plaît, les amis, abonnez-vous. Je compte vraiment sur vous, les amis, excusez-moi. Il est un peu 3h30 du matin, donc excusez-moi, voilà, si on mâche un petit peu les mots. En tout cas, voilà, je compte vraiment sur vous pour vous abonner, les amis. C'est très, très important. Surtout, pensez au petit like, c'est la récompense. Voilà, le petit commentaire. Et surtout, partagez la chaîne. Et surtout, les amis, activez la cloche. Très important, activez la cloche. Au moins, tu auras la notification. Et tu sauras quand je sors une vidéo, tout simplement. Oui, nous, on est un petit peu comme ça. 3h30 du matin, on fait une vidéo. Comme là, il est 3h30, on a fait la vidéo. Eh ben, je vais la poster vers le matin ou début d'après-midi. Et vous me connaissez, les amis, moi je fais une vidéo par jour. Voilà, tranquillement mais sûrement. Voilà. En tout cas, les amis, ce let's play, j'adore. Franchement, j'adore. J'adore ce jeu. Et prochain épisode, les amis, ça promet. Franchement, ça promet. Ça promet. Ça va être un truc de fou furieux, les amis. Bon, c'est cool, hein, on a débloqué plusieurs indices. C'est plutôt pas mal. Franchement, les amis, regardez, hein, ça, c'est tous les chemins. Voilà. C'est vraiment sympa. Et après, voilà. Forcément, hein, on peut pas savoir la suite parce qu'il faut avancer au mode histoire. Mais ce jeu, les amis, il est juste trop bien. Franchement, il est juste trop bien. Surtout que, les amis, j'ai pris édition de luxe voilà, sur le jeu. Bon, après, il y a des petits modes en plus, comme le mode cinéma, et etc. Mais c'est pas des modes à faire en vidéo, du moins. Donc, je pense que je le ferai de mon côté, parce que c'est rien de fou furieux. Ça reste un petit plus. Ça reste quelque chose de pas mal, quand même. Mais ça, c'est hors vidéo, voilà. Mais en tout cas, les amis,
j'adore. Franchement, j'adore. C'est pour ça, restez branchés. Et on se retrouve très prochainement pour la suite sur The Squarry. Et pour la suite du Let's Play, la suite de l'aventure, de l'histoire, de tout ce que tu veux. Mais pour la suite. Prenez très soin de vous. C'était KalizorXTV. Allez, bye bye. Bye bye bye.